Bonjour! Alors comme d'habitude, mon look est dégueulasse. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous n'allez pas faire un AVC lorsque vous allez voir ce look magnifique de la Quinza YouTube. Bonjour! Bref, aujourd'hui, on fait un relooking extrême et on transforme cette chose en quelque chose. Effectivement, là, il n'y a pas grand chose. Et je me suis dit, nouveau thème, un thème qui me plaît bien, qui a l'air assez cool. Et j'ai envie de faire quelque chose avec ce thème-là. Je me suis dit, go faire un relooking extrême et transformer la quinzelle en quelque chose de quinzelle, quoi. Parce que là, c'est plus une quinzelle en vrai. Hein. Bref, on va faire avec ce thème-là un relooking extrême. Peut-être après, je transformerai également le visage sur la boutique de visage, hein, voilà. Et alors, moi, ce que j'avais voulu faire la dernière fois et que je n'avais pas fait, c'était j'avais pris ça, sauf que j'avais tout mis en noir, ouais, parce que j'aimais bien, je trouvais que ça faisait ça faisait une sorte de truc sportif, mais pour pas que ça fasse trop dénudé, mettre une veste par-dessus. Donc là, il y a une veste comme ça. La veste léopard, est-ce qu'on la laisse léopard ou pas? Et si je mets ça, ben il n'y a plus aucun intérêt à mettre la veste. Mais non, puisque ouais, on la voit pas. Attendez, il faut que je la remette. Est-ce qu'on la laisse en léopard? Bah pour l'instant, je mets la veste comme ça. Et je verrai bien si avec le bas que je lui mettrai, si ça va bien ou pas. Voilà, on va voir. On va voir si... parce que bon, le truc là, ça va, j'aime bien. Je trouve que ça va bien ensemble. Mais vu qu'elle est déjà pas mal dénudée en haut, j'aurais préféré un pantalon, quoi. Je suis pas trop fan de ce pantalon-là. Et les cheveux, parce que c'est vrai que j'ai pas de cheveux. Et là, si je mets ça... ouais, non, ça fait un peu too much, hein, des fringes avec... t'imagines, la meuf, elle s'habille tout en léopard. Le haut léopard, le top léopard, la veste léopard, la jupe léopard, manquerait plus que les chaussures léopard. Au niveau de chaussures, je pense qu'on n'a pas trop le choix, mais j'aime bien celle-ci, donc ça me dérange pas plus que ça. Alors, ça, j'aime bien. Je vous avais déjà dit que cette coupe-là, j'aimais bien. En blonde. En noir. En bleu. Non, je déconne pas, en bleu. Là, un peu un sort de blond vénitien rouquin. Ouais, non. Et je parie que c'est la dernière page. Ça aussi j'aime bien cette robe là, j'aimerais bien avoir une robe comme ça dans la vraie vie. J'en ai une qui ressemble à ça sauf qu'elle est rose mais il n'y a pas de ceinture, mais je peux rajouter une ceinture. C'est vrai qu'elle est aussi les chaussures là. Ils sont sympathiques, après ça dépend du bas que je vais trouver. Ouais, après on n'est plus dans la... problème c'est que le bas il n'y a rien qui me botte. C'est limite en fait, je cherchais dans un autre thème, hein, le pantalon. Hein. Soit je cherchais dans un autre thème, soit je prends le short, hein, parce que je préfère le short quand même. Hein. Le short il rend mieux. Hein. C'est limite, en fait, comme ça, ça passe. Mais. Et ça, si j'essaye la coupe là. Ouais, non, je préfère l'autre. Hein. Ah, ça fait. Attends, si je mets du violet et du rose. Ça fait de la coupe que j'avais hier, elle. Sauf que moi c'était inversé, je crois que c'était... Attends, non, c'était inversé. C'était du rose en haut et du violet en bas. Ouais, mais là on voit pas très bien le violet. Hein. Bref, mais c'était comme ça. Bref, je préfère l'autre coupe, elle est un peu plus originale avec la franche. Avec la franche. Et je trouve que la coupe là c'est de l'arnaque. Hein. Attendez, hein. Celle-ci, moi je trouve que cette coupe là c'est un petit peu l'arnaque. Parce que je suis désolée, mais 6 diamants pour ça, non. Non, à la limite, tu mets cette coupe en VIP, mais non, tu vas pas mettre des diamants pour cette coupe-là. Il y a vachement plus beau avec des diamants, hein, et même des coupes normales ou VIP sont plus belles que ça, quoi. Même celle-ci, elle est plus jolie. Mais est-ce qu'on reste sur cette couleur-là? Ah, en sorte de blanc, ça passe aussi. Bon, on va la mettre en blonde, hein. Voilà, comme la quinzelle. Petite blonde. Bah, écoutez, ouais, en fait, quand j'ai... la fille qui se moque d'elle. Quand j'ai lancé la vidéo, je me suis dit, pas là là, on va faire un look d'enfer. Et au final, j'ai fait un look qui me plaît bien, mais c'est pas un look d'enfer. Moi, je pense que c'est le pantalon. Franchement,
Non, franchement, faut que j'aille voir chercher pour un pantalon. Voilà. Un slim noir, je dirais. Un slim noir. Par exemple, ça. En noir. Voilà, ça, c'est déjà beaucoup mieux. Je sais pas, mais je trouve qu'il est un petit peu brillant quand même, le noir. Hein. J'aurais préféré quelque chose d'un peu moins brillant. Même si en brillant, ça passe. Ça fait style. Ça fait style un peu synthétique. Enfin, je sais pas comment dire. Mais le pantalon, il correspondrait bien. Et si celui-là, je le mettais... Non, je préfère l'autre. Je préfère celui-ci. Parce que ça, c'est un taille basse, ça, c'est un taille haute. Et je trouve que dans cette situation-là, de ce look-là, le taille basse correspond mieux. Ah bah oui. Bah, si on voulait quelque chose de brillant, là, il est encore plus brillant. Hein. Mais là, c'est abusé. Hein. Là, c'est du cuir. Non, je préfère... celui-là, bah, je crois que celui-là, il est bien. Après, au niveau des chaussures, les chaussures du thème correspondent quand même bien. Mais on va quand même voir s'il n'y a pas autre chose. Ouais, vous voyez, puisque là, on remarque que les chaussures que je porte, c'est des chaussures qui ont été recyclées d'un autre look. Comment le savoir? Bah, tout simplement, aller voir dans les dernières choses qui sont sorties. Les chaussures-là, les trois-là, elles sont sorties, donc ça veut dire qu'elles sont nouvelles. Et du coup, vu qu'on ne voit pas ceux-là, c'est qu'ils appartiennent déjà à un ancien thème. Donc, non. Ça peut être cool. Ça, j'aime bien. Et là, au lieu de mettre en argenté, tu mets en or. Ça fait un rappel de couleur. Avec le haut. Attends, on va chercher un truc, voilà, plus doré. Ouais, celui-là, il passe. Bah, écoutez, comme ça, j'aime bien déjà le look. Bah, vous savez quoi? On va mettre ce look-là. Et je crois que je sais pas. Je sais même pas si j'ai mis du VIP dans ces trucs. Voilà. Et bah là, ça va pas. On va peut-être faire un petit tour rapide. Alors, attendez. Ouais, là-dedans, on va dans les habits. Et on va peut-être voir aussi au niveau des accessoires. Mais au lieu d'acheter des accessoires, aller directement dans les accessoires que j'ai déjà. Ah oui, les chaussettes, là. Faut enlever les chaussettes, ça va pas. Quel genre d'accessoires? Bah, déjà un collier, ce serait sympa. Un collier, si j'en trouve un parmi tout ça. Enfin, un collier qui va bien aussi. Ouais, non, là, ça fait trop. Ça fait un petit peu trop. Mais ouais, un petit collier, une petite montre, et puis c'est bon, quoi. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai des montres. Un collier type doré, de couleur dorée, ce serait sympa. Bon, au pire, il y a ça, mais non. Il me faudrait du doré, parce que, voilà, elle est tout en doré. L'eau, il est doré, donc... ouais, non, celui-là, non, ça va faire un peu trop la Kaira de cité. Wesh, ma gueule, je porte un collier 2018. On peut trouver autre chose. On peut trouver autre chose. Tu vois, c'est vrai que ça m'embête un petit peu d'acheter des affaires alors que j'en ai, mais tellement. Je vais peut-être mettre ça. Vous allez me dire, oui, mais ça va pas avec tes yeux. Mais vu qu'après, je change les yeux, je pense que je vais mettre des gros yeux. Donc, on va mettre ça en attendant. Mais vous inquiétez pas, après, le rendu sera meilleur. Mais là, vraiment, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Et si on mettait ça? Si on mettait ça pour changer? C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas également des sous... Enfin, ça, je vous le dis tout le temps, hein, mais des onglets avec des sous-catégories pour directement mettre qu'on veut chercher des colliers ou qu'on cherche des chapeaux, des bonnets. Enfin, voilà, parce que là, c'est un petit peu chiant. En plus, tous les jours, j'essaie de donner 25 cadeaux tous les jours avec mon compte, histoire de, voilà, de pouvoir... Et si tu mets ça, ça va bien avec tes yeux là, en vrai. Ouais. Oh, merci, Chicken Love. Déjà tout à l'heure, à ma vidéo, elle m'avait offert des salutations. Merci encore beaucoup à toi. Je te refais un très gros bisou. Merci. Elle m'avait déjà fait tout à l'heure Prout. Voilà, Prout. À ma vidéo de tout à l'heure. Mais je n'ai toujours pas trouvé de collier. Merci. Là, il y avait un collier, mais c'était j'aime pas trop avec le cactus. En fait, je veux juste trouver un collier simple, tout simple. Même une petite chaînette en or, c'est tout ce que je demande. Et je n'arrive à rien trouver du tout. C'est un petit peu chiant. Parce que du coup, la vidéo va durer 30 ans, alors que je voulais faire une courte vidéo. Merci beaucoup. Bah, écoutez, je crois que je vais laisser tomber le collier. Hein, à l'occasion, j'en rajouterai un. Puis tant pis, hein, parce que là, fou. Demain, on y est encore. Ils sont beaux, mais là, avec les cheveux que j'ai, ça sert à rien de mettre des boucles d'oreilles.
Là, il y a un collier hamburger. Bon, là, on va pas mettre un appareil photo non plus, hein. Bah, à la limite, celui-là, il passe, mais on sait pas ce que c'est. De près, on voit que c'est une rose, mais de loin, on sait pas. On a l'impression qu'elle a une racine en collier, mais bon. Bon, bah, vous savez quoi, ouais, non, mais... Ça se met où, déjà? Je crois que c'est sur le bras. Je sais pas. Bon, bah, je vais laisser tomber, hein. On laisse tomber le collier. Tant pis. Si on laisse tomber le collier, mais j'insiste encore à tourner les pages, hein. Ça m'embête, vraiment. Bon, 15 ailes. Bon, tant pis. Encore le collier, là. Bon, tant pis. On laisse tomber le collier. Et qu'est-ce que je voulais faire, moi? Ah oui, pour... je vais juste remettre... truc pour les yeux, quoi. Les faux sourcils. Enfin, non, pas les faux sourcils, les fossiles, pardon. Les faux sourcils. Et merci à Capucine, 29222. Gros bisous à toi. Merci également pour la salutation. Ah, pareil, je pense que j'irai quand même remercier après la vidéo en privé. La moindre des choses que je puisse faire également. Et attendez, il faut juste... Bah, les premiers fossiles que je trouve, hein, les premiers même, ça va. On va les mettre, hein. Là. Là. Je viens en arrière. Voilà, on va mettre ceux-là. Ok. Là, par contre, c'est très bizarre avec ces yeux-là. Bah attends, on va aller directement, à place d'aller dans la boutique, on va aller directement dans les choses que nous avons, nous, dans la clinique beauté. Voilà, ici. Et comme yeux, bah, on va mettre des yeux verrons. Oula, c'est très bizarre, là. Des yeux verrons. C'est bizarre, même ceux-là, ils sont pas aussi grands que les fossiles. Vous avez vu? Ici, c'est trop grand. En fait, faut mettre... Même non, ceux-là, ils sont trop... Bah, c'est les quêtes qui vont bien avec les fossiles, là. Lol. Lol! Parce que là, c'est très... Non, non, je peux pas laisser ces fossiles. Bah, dites-moi en commentaire, normalement, c'est 15 yeux qui vont avec ça. C'est des gros yeux de base, peut-être. Mais je peux pas laisser ça, c'est pas possible. Pourquoi elle est à poil? Attendez, parce que je veux pas la remettre à poil, sinon je vais devoir tout rechercher. Mais pourquoi elle est à poil? Pourquoi t'es à poil, toi? Et on va mettre les deuxièmes fossiles qu'on a trouvé plus loin. Pour une fois que mon jeu lag pas trop. Ça ne va plus. Non, c'est pas cela. Du coup, c'est les prochaines que l'on voit. Voilà, ceux-là. Ouais, ça fait déjà mieux, hein. Voilà. Bah écoutez, voilà. Elle est devenue quand même beaucoup plus jolie que ce qu'elle n'était avant. Il y a des gens qui seront bien contents. Attendez, mais j'ai pas changé la bouche. J'ai juste changé les yeux. J'ai juste changé la bouche. Et le nez, je pense que je vais lui mettre avec le piercing. Ça irait bien avec son look actuel. Donc ça doit être sur la deuxième page. Voilà, ici, ça je peux le mettre en plus, hein. Ouais, je peux mettre ça en plus, et au niveau de la bouche, vous voyez plus un rouge un peu plus pétant, genre comme ça. Et voilà, non, comme ça passe, j'aime bien. Bon, écoutez. On a changé de look, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, je suis sûre que ça ne plaira pas à tout le monde, hein. Chacun ses goûts, bien naturellement. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à vous. Ciao, ciao! Now we're like fire.